aujourd'hui, on se retrouve pour un tutoriel make-up. Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve dans ce tuto-là, le tuto avec la nouvelle palette de Kat Von D, Mi Vida Loca. Je vous avais dit que je vous ferais un tuto. J'ai pas fait un tuto crash comme elle a fait, elle, dans ses tutos, hein. Je vous l'avais présenté, vous pouvez aller voir ma revue, voici la palette, c'est des couleurs qui sont très flashy. Mais simplement, je voulais justement voir ce qu'elle avait déjà dans le ventre, voir les fards, et voir ce qu'on pouvait faire avec un make-up de tous les jours. Donc je suis habillée comme ceci en orange, et avec un legging noir, noir jean. Donc j'ai fait ce tuto-là. Voilà, vous allez le voir tout de suite derrière. J'avais envie de tester et voir comment... les fards étaient. Première impression, au niveau des fards, ils sont très... Alors les fards mats, ils sont très, très, très poudreux. Ils sont très, très pigmentés. Je déconseille vraiment cette palette aux débutantes. Parce que faut... Même moi, enfin je vais pas dire... Enfin, je suis une pro quoi que ce soit. Hein, mais même moi, faut vraiment avoir la main légère. Faut vraiment savoir travailler les fards. Savoir quel pinceau utiliser. Là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'estompes. Je vous ai coupé. Hein, parce que quand j'applique le fard, vous allez voir, ça fait tout de suite en masse. Enfin, voilà, ça fait grossier, c'est pas beau. Il faut beaucoup, beaucoup de travail. Par contre, c'est vrai que c'est une palette que j'aime énormément. De toute façon, bah, qui est un jet d'or. Celle d'avant, les fards étaient... comment dire, il y a certains fards qui n'étaient pas du tout pigmentés là, sur la palette, ils étaient waouh, en fait pas du tout. Là, ils sont vraiment tous pigmentés. Et maintenant, je vais voir la tenue. Pour le tuto, c'est tout de suite derrière. Il y aura sûrement d'autres tutos et je vais essayer de faire un peu plus artistique. En tout cas... We'll be right back.